on les récupère. C'est gluant, c'est un petit peu long, on n'est pas pressé pour faire des produits naturels, n'est-ce pas? Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Mes préparations. Donc là, j'en mets un petit peu. Ici, j'en mets un petit peu. Donc, dans un premier temps, je vais préparer mon dentifrice. Donc, avec bicarbonate. Voilà, là c'est la consistance du dentifrice. Vous pouvez en rajouter si vous voulez le faire plus épais ou quoi, mais là, il est bien. Ok. Et là, on va préparer pour la peau ou les cheveux. Là, ce sont de petites quantités, évidemment. Vous avez la base si vous voulez faire une plus grosse quantité. Voilà, donc on peut mettre ou de l'huile d'argan ou de la menthe douce ou de l'huile de coco. D'accord? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de mettre de la menthe douce. Hop. Voilà, un petit peu d'amande douce. Voilà, et là, c'est pour le corps. Et la texture pour le corps. Pour conserver au frais, je mets dans des petits récipients comme ça. Pour mettre dans ma salle de bain, si j'arrive à l'ouvrir, voilà.
Ça, c'est pour le dentifrice. Ça. Donc, ici, c'est ce que je vais conserver au frais. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais mettre dans ma salle de bain. Et je vais recharger au fur et à mesure. C'est pratique, ça ne fuit pas si c'est bien fermé. Voilà. Donc, ce qui concerne le dentifrice, il faut alterner avec autre chose parce que le bicarbonate est très abrasif, il risque d'abîmer l'émail. C'est une bonne alternative, mais il ne faut pas l'utiliser de façon constante. Je vais vous donner une autre recette pour le dentifrice, comme ça vous pourrez alterner. Sur ce, à bientôt. Bye.